Ça, c'est l'isnon avec photo haïtien qui malheureusement mourit dans l'explosion qui fait dans le pays Brésil. Peut-être qu'il y a une famille, 11 amis, perdu dans la catastrophe. Ça. C'est une bagaille qui choquait la communauté haïtienne dans le pays Brésil, surtout pour la quantité haïtienne qui a même perdu la vie dans le travail. Pendant qu'il a cherché à faire des goudins pour qu'il y ait des familles, soit qui Brésil ou bien qui en Haïti. D'abord, bon, expliquer ce qui s'est passé. Dans une entreprise qui est dans l'état Palana, dans le pays Brésil, dans une ville qui est le Palotina, c'est une entreprise agricole qui a un ensemble de gros silos côté où conserver graines de maïs, graines de bois, un paquet d'autres bagailles. Malheureusement, silo ça a explosé. Dans le moment d'explosion, il y a 7 compatriotes qui mourent sous place. Sans côté, l'autre ça qui disparaît, que les pompiers et la police étaient toujours à chercher après l'explosion était vite faite. La majorité de nous, le nous fait criver dans le pays Brésil, nous toujours rentrer travailler dans la compagnie agricole. Parce que le travail, ça, c'est un qui plus facile pour rentrer, il est moins exigeant. Il n'est pas trop exigeant ni pour parler langue, ni pour avoir aucune connaissance spéciale. De pour avoir une force ou une volonté ou un travail, il prend. Moi-même, personnellement, le petit fait venir, c'est le travail, ça, qui a commencé le travail. Jusqu'à présent, il y a un pile haïtien, pour ne pas dire la majorité haïtienne qui est dans le pays Brésil, c'est dans la compagnie agricole, il y a travail. Mais c'est des compagnies qui ont un risque. Quand il n'y a pas utilisé un couteau, quand il n'y a pas utilisé une série de scies qui est extrêmement puissant, qui a coupé une zone en moins que une seconde. C'est la cause, les compatriotes, ils ont toujours risqué la vie pour faire l'argent, pour aider les familles, soit en Haïti ou bien au Brésil. C'est la même circonstance qui fait 7 Haïtiens qui sont tombés. Parmi les Haïtiens qui sont tombés, il y a Michel Louis, qui a 41 l'année, Jean-Michel Joseph, qui a 29 l'année, Jean-Ronald Calix, 27 l'année, Donald Cécile, 24 ans, Alfred L'Espérance, 44 l'année, Eugenio Metellus, 53 l'année, Reginaldo Gégard, ou bien Gérard, par contre, si vous voyez où est le qui lui-même gagne 30 l'année, gagne un Brésilien tout qui perdu la ville, qui c'est Saulo da Rocha Batista, qui lui-même te gagne 53 l'année. La police et la justice a enquêté pour qu'on ait vraie cause d'explosion, pour qui est-ce qui est responsable dans ce genre de situation malheureuse qui peut aller la vie compatriote. Le genre de situation ça arrive dans une compagnie facilement. Dans la majorité de la compagnie, ça yon, moun kap travay yon assuré. Compagnie paye yon assurance pour yon. C'est ça que fait. Le moun nan rentre dans le travail, yon toujours mande non qui est la mette dans l'assurance. Non moun li te bay lan, c'est moun sa kap gen possibilité qui kap touche kob li ta dwe recevoir parce que li mouri dans le travail. Mais si pas que personne qui fait aucun processus pour ça, c'est sûr que les cas tout tombé à l'eau et puis personne ne va recevoir rien comme comme. Si peut-être que y a un sait qui se famille, qui se amis, ou bien des gens qui connaît ou qui a aidé ou qui a conseil pour qui a fait suivi, là c'est extrêmement important. Si toutefois, non moun yo te mette nan assurance, si yo te assuré dans le travail, non moun sa yo mette à table vivre au Brésil, il plus facile toujours. Si moun nan vivre en Haïti, yo va mener pour moun sa rentrer au Brésil pour le cabine faire processus. Li important parce que monsieur sa yo mouri dans le travail, yo, pas de moun qui te attend si yo ta gal mouri dans le moment ça. Et c'est sûr que yo qui te madame, yo qui te petite, yo qui te famille. Donc si yo ba yo ti kop pou yo nan assurance, ti kop sa, au moins, la ka aide famille continuer vivre la vie malgré qu'on n'ait pas de quantité d'argent qui a suffi pour payer présence papa dans la vie petite ou encore présence mari dans la vie madame, présence famille, présence amis. Donc, malheureusement, monsieur, yo allez, mais qu'on y a fort famille yo ouvergé yo pour comment il a joué comme assurance si toutefois, moi bien dit, le travail yo été assuré. Je vais me rappeler, l'événement ça a passé dans l'état Palana, dans une ville qui est le Palotina,
dans le pays Brésil. Si vous avez des gens là, checkez sur vous, vérifiez. Est-ce que vous êtes en forme? Gardez, est-ce que vous n'avez pas des amis, des familles peut-être parmi Haïtiens qui ont même mouru. Je vous rappelle, dans une explosion qui fait dans une entreprise côté au travail. Mais d'après la première note, c'est silo qui explose. Silo, c'est gros bagay qui gagne grain maïs, grain pois, qui gagne pile semence là-dedans, c'est eux-mêmes qui explosent. Mais raison explosion jusqu'à présent, il y a pas qui était sous les pour connaître comment ça fait. Vraiment, ça fait mal. Et c'est tout haïtien, ça fait mal. Comment jeune ça a retrouvé la situation qui est triste. Mais c'est parti à tout le monde qui a affecté par la montée comme ça. Haïtien dans la diaspora ak an Haïti bouleversé en pile dans 10 dernières années sa yo. Mauvaise nouvelle tout temps. Tantôt inondation, tremblement de terre, problème politique qui pote kidnapping, viol, vol, assassinat président, bois calé ak en pile l'autre encore. Problème sa yo mette en pile trouble mental la caille chaque grain haïtien. C'est peut-être ça United for the Restoration of Haiti Ministries invite communauté haïtienne dans la diaspora dans 3 journées conférence sous santé mentale cap fait dans pays États-Unis à Canada. Jeudi 17 août 2023, 5h 8h PM, dans Tropical Breeze Paradise, 1367 Utica Avenue, Brooklyn, New York. Dans même jour ça, URA Chaponoré, Kesnel d'Orléans, qui c'est un jeune qui fait un pile show éducatif sur réseau social. Et qui va être participation volontaire, pile l'autre activité pour aider moun. Dimanche 24 septembre 2023, 5h 8h PM, Mission Culture Association, Belle Retrouvée, 7655 20E Avenue, Montréal, Canada. Samedi 14 octobre, dans Great Mud Health Institute, 2790 N, University Drive, Hollywood, Florida, 33024. Objectif 3 jours conférence sur santé mentale là, c'est fait éducation famille. Et qu'on est qui importance santé mentale. Haïtien tout partout, poté collé. Poté collé dans 3 jours conférence sa yo, qui c'est 17 août 5h 8h dans Aswe, dans Brooklyn, New York, 24 septembre, 5h 8h dans Aswe, dans Montréal, Canada, et 14 octobre, 5h30 8h30 dans Hollywood, Florida. Ka offri donation $30 and up. Plus information 347 204 1869 917 834 91 58. Ça vous corrige ou essayer de résoudre un problème ou pas tout vous-même, toute force, toute énergie ou t'as qu'à gagner pour résoudre le problème là. L'homme ces problèmes là, presque fini résoudre ou pas regarder en souffre. Et puis c'est dans le moment ça, on a plus gros problème tombé dans le dos. Lorsque ça arrive, on sent tout déboussolé. On perd tout espoir. Ou ceci, même la vie a une bague de sens. Ou on vit abandonner tout bagaille. Mais on a bagaille qui est important. Le roi passe ce genre de situation, ça y est. Ou tout fait tout effort pour être calme. Plus soulevé, c'est moins qu'on a une chance ou un autre problème qui va venir. Si vous êtes calme, vous avez un petit temps pour identifier vos tickets. Si mal volé un cob, ou bien si mal font action, si mal découvre ses pieds pour me couvrir ses épaules, m'a créé un pire problème. L'autre tranquille, ou bien plus de temps pour réfléchir, pour résoudre le problème ou voulez résoudre là. Mais comme précaution, pas jamais assez, si toutefois, ou t'arrêter tranquille, ou fait toute analyse d'avance, malgré ça, le problème n'a fini, toujours été tranquille. Pas de problème qui va des solutions. Pas de prière, pas de amen. Pas de décourager. Quel que soit le problème qu'on fait face à elle dans la vie, les comme solution. Et pas de penser, c'est au seul qui a un problème. Pas de penser, c'est problème pour la vie. Il y a des gens qui t'ont mis la place pour moi. Nous, chaque, nous avons un problème. Mais ce qui est important, c'est que je ne gère pas les problèmes. Pas de quoi, chaque là.